Bonjour tout le monde, me voici aujourd'hui avec une nouvelle invitée que je vais laisser se présenter. Bonjour, je suis Maude Jarige et j'ai un long parcours dans le monde spirituel et énergétique et j'ai créé tout un parcours à travers nos différents sens, les cinq sens et le sixième sens. D'accord. Donc je suis professeure de Kundalini Yoga, dans lequel les deux sens principaux qui sont mis en exergue sont le toucher et l'ouïe, parce que nous écoutons beaucoup de mantras et nous récitons beaucoup de mantras. Je suis thérapeute énergéticienne, où là on va faire davantage vivre notre sixième sens, notre instinct, notre intuition. D'accord. À travers les encres énergétiques et vibratoires de bien-être, là c'est la vue qui est mise en avant. Et enfin, j'ai créé ma propre cérémonie de thé. Et donc là, on va plus mettre en action l'olfaction et le goût. Ok, très bien. Maude, comment t'en es arrivée à tout ça? Alors en fait, c'est au fil du temps. Sans m'en apercevoir, j'ai constaté que c'était tous les sens qui se sont invités. Et j'ai, depuis très longtemps, dans mon parcours, il faut juste que je dise que j'ai 6 enfants et que j'ai toujours, dans l'éducation, recherché à les rendre présents à eux-mêmes. D'accord. De façon à ce qu'on ne se zappe pas, de façon à ce qu'on ne passe pas à côté de soi. Okay. Et c'est très important parce que c'est le but que je pose en premier pour moi-même, d'avoir une conscience élevée, qu'on retrouve d'ailleurs à travers le Kundalini Yoga qui propose le même but. Et il est vrai que dans la vie, quand on est de plus en plus présent à soi-même, plein de choses se passent. Oui, les choix sont plus fluides, la relation avec les autres aussi, parce qu'on est plus authentique avec soi, donc plus authentique avec les autres. Oui, ça amène une cohérence de vie, une qualité de vie plutôt superbe. C'est génial. En tout cas, on va aborder tous ces sujets justement que tu as pu lister dans des vidéos, donc n'hésitez pas à les regarder, elles arrivent très vite. Merci à toi, Maude. Merci, Julie. Avec plaisir, merci à vous. On vous dit à bientôt.